Salut à tous, je suis pas en train de Lyonnais, de Lyon. On apprend qu'après Marseille corner et courtisé par Leeds, mais il pied aussi à Watford. Et Lyon demanderait 23 millions d'euros. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Quant à Gonaïon, il voudra revenir à Lyon. Il évolue du côté de Grenade. Il est sous contrat jusqu'en 2023. Mais son salaire est estimé à trop cher, à 4 millions d'euros. Les Lyonnais ne sont pas disposés à mettre la somme demandée par Grenade, à savoir 4 millions d'euros. Arsenal revient à la charge pour avoir qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec une offre de 25 millions d'euros. Milos Veljkovic est suivi par Lyon, c'est un défenseur qui évolue du côté du Werder de Brême. Il est fixé par Lyon et l'OM. Quant à Yaya Toumaré, il est prêté à Dijon, il était sous contrat jusqu'en 2023. C'est un jeune qui est apparu cette saison avec Lyon. Enfin, Lyon a officialisé l'arrivée de Luis Enrique, qui évoluait du côté du Vasco de Gama, qui était en fin de contrat. Oyas a des regrets envers Dubaï, il a déclaré c'était la priorité des priorités, on n'a pas pu le faire avec Memphis de le prolonger, mais on est satisfait des 4 ans et demi ici. Liverpool a eu le même dossier avec Wijnaldum, le PSG va lui payer entre 10 et 11 de salaire, 10 et 11 millions d'euros de salaire net. Quant à Oyas, il a indiqué qu'il se voyait rester son actionnaire majoritaire du club jusqu'en après 2023 et la conversion des actions d'obligations émise pour financer la construction de son grand taille. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.